Bon, bonsoir à nous toutes. Bienvenue dans le téléjournal là rapidement, mais pivot point cap à dominer l'actualité. Président République là, Jovenel Moïse, a présenté by Nation 1, Premier ministre Nomea, Maître Jean-Henri Séan. M'a dit 7 août là, dans le cadre d'une cérémonie officielle dans le palais national. Nouveau porte-parole, police nationale là, Michel-Ange Louis-Jeune, installé, m'a dit 7 août 2018 là, dans fonction, pendant une cérémonie qui était déroulée dans direction générale PNH là. Commission économie et finance Sénat République là, Chita Palais, m'a dit 7 août avec Fédération nationale magistrat haïtien, Fédération nationale Kazakh haïtien et puis Fédération nationale AZEC sous analyse budget rectificatif 2017-2018 là. Délégué départemental SIDLA, Max-Serge Daniel, dressé un bilan positif sous travail caravane changement fait dans département ça. Il a annoncé travail à poursuivre non intérêt population. Session extraordinaire baccalauréat a déroulé sauti 13 pour bout 17 d'août Cap-Vinila. Directeur général MEF expliqué toute disposition déjà prise pour faciliter l'examen réalisé à travers tout le pays. Actualité à plus loin, l'ACAI, administration Trompe-l'an, a paré pour établir sanctions économiques sous pays Iran, une situation qui risquait de compliquer la vie pays Iran qui déjà a fait face à un pile difficultés économiques. C'est un ensemble point nobral développé pour un petit moment. Restez branché, Naptoune. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Non, pas, c'est Yvan Sonfranc. Nous allons voir comment condition est avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Moi, content pour me retrouver aujourd'hui pour prévision météorologique. Là, on a l'air comment la situation est sous Caraïbes avec l'océan Atlantique. Là. Nous avons une zone de haute pression qui est renforcée sous pays d'Haïti pour aujourd'hui. Et nous avons avec un temps qui a gagné en pile vent sous pays d'Haïti avec un bel soleil et n'a gagné des températures cap à la hausse et nous sommes sous capitale avec un n'a gagné jusqu'à 38 degrés sous zone sahel, cela veut dire que la fait très chaud et c'est pour ça encore une fois des monde qui hyper tendu avec monde âgé ensuite petit bébé pour consommer en pile parce que vraiment fait chaud sous pays d'Haïti au cours de jeudi qui c'est mardi 7 août 2018. Mais toujours une possibilité pour gagner quelques averses la vie, c'est toujours sous région nord pays d'Haïti avec Saint-Thibault, mais pour reste département, nous avons quelques gouttes sous relief, surtout sous massif du nord, chaîne d'Emacte avec Mont-Nacelle, massif de la Haute, bien quelques gouttes en soirée, mais pour l'ensemble du pays, pour aujourd'hui, c'est un beau temps avec température à cap à la hausse et ensuite vent cap soufflé avec bel soleil, mais avec quelques passages nuageux en soirée. Pour capitale avec zone qui a donné son capital cap joué de beau temps avec non seulement vent avec soleil au cours de journée et n'a pas senti qu'il y a quelques rafales vent sous pays, c'est-à-dire vent a soufflé très fort et des températures cap à la hausse cap monté jusqu'à 38 degrés sous capitale là et pendant la nuit, on a descendu jusqu'à 25 degrés. Non seulement on a senti effet de chaleur au cours de journée, même aussi pendant la nuit. Là. Toujours une possibilité pour nous avoir quelques averses, c'est toujours sous Mont-Nacelle, dans la zone qui est trouvée au sud de la capitale, mais c'est quelques averses isolées sous zone Sahio. La mer non seulement est agitée sous côte sud avec le golfe de la Gonave, mais il faut qu'on prenne précaution parce que la côte sud a agité à fond et nous sommes capables de prendre quelques précautions par rapport avec au fond la mer cap très agitée même jusqu'à fort. Et pour page astronomique, sur la couche jeudi à 7h20 et la levée demain matin à 6h30. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour notre page météo. Amis téléspectateurs, mes journaux là en détail. Président République là, Jovenel Moïse, a présenté by Nation 1, Premier ministre Nomea, Maître Jean-Henri Séan, m'a dit 7 d'août là, dans le cadre d'une cérémonie officielle dans le Palais National. Cérémonie ça a déroulé en présence, président de branche palmant, membre corps diplomatique avec représentant différents secteurs, qui était dans consultation avec chef d'État sous trois premiers ministres. Reportage Sabine Jean-Étienne avec
Jean-Naël Duverny. Un moment important pour le pays d'Haïti qui sous route pour gagner un nouveau gouvernement. Chef l'État qui présentait la population officiellement, notaire Jean Lisséan comme premier ministre nommé pays d'Haïti. Président de la République a expliqué la raison qui fait le choix de mettre Lisséan pour poste ça. Il est aujourd'hui venu le temps d'opérer de profonds changements gouvernementaux afin de soulager la misère au sein de la population, poursuivre les politiques publiques en cours en matière d'infrastructures routières, agricoles et électriques, maintenir le dialogue avec tous les secteurs de la nation, garantir la paix sociale et la stabilité politique. Pour ce faire, j'ai fait choix du citoyen Jean Lisséan comme premier ministre. Monsieur Lisséan est un notaire de profession, leader politique, connu pour son humanisme et son esprit du dialogue. Il a été à deux reprises candidat à la présidence. Comme vous le savez, Monsieur Lisséan et moi ne faisons pas partie de la même famille politique. Nous avons eu de fortes divergences lors des élections de 2015. Ces élections qui ont été contestées par un groupe de candidats dont il faisait partie. Cependant, nous avons en commun l'amour d'Haïti, la croyance, la conviction ferme que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, d'où qu'ils viennent, doivent s'unir pour construire ce pays. Une fois deux branches parlementaires voté en faveur et lancé politique générale, premier ministre Nouméa, président Jovenel Moïse dit défi au pral en pile pour mettre Lisséan. Chef l'État cité par exemple, suivi document qui devant parlement sous réduction train de vie l'État, facilité inclusion et alternance politique, avancement stratégique avant le changement, pour ne citer ça ou seulement. C'est pour gouvernement. Pour pouvoir le former, les lifines jouent une bénédiction parlement, mettez en application arrêté qui pour baisser des postes dans l'État. Je voulais parler de arrêter sous train de vie de l'État que moi te prends avec l'ancien gouvernement le 29 mars 2017 qui vient 64 articles qui peut-être 4 articles seulement qui commencent à appliquer là-dedans. C'est pour appuyer stratégie caravane changement. Caravane, non, c'est une manière qui pour faire administration l'État travaille plus bien. Caravane, non, pas un programme. Caravane, non, pas un budget. Caravane, non, c'est un groupe garçons et femmes qui prend pouvoir dans mes peuples haïtiens et moi-même premier mandat national. Nous prenons décision, nous mettons stratégie ça sous pied, qui pour permettre aujourd'hui, pas gain yon côté dans quatre coins pays d'Haïti, pas gain un kilomètre route cap construit, sans l'argent. Parce que, pourquoi gain l'argent? Gros maman Pemba, gros affaires, gros coquin chien de responsabilité qu'on gagne un premier ministre nommé. Nous connaissons pour qu'on a deviné ça. Mais son GMT fait campagne, m'a été dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. Je dis, on pas gain stabilité politique sans un pays qui gagne alternance politique. Alternance politique, son seul genre le café. On seul côté le café, c'est dans l'élection. On monde qui besoin prend pouvoir dans le pays d'Haïti, je dis, on seul côté qu'on prend pouvoir, c'est dans l'élection. Gros maman même, Chaïlou, premier ministre, m'a demandé au Balboutea, c'est l'élection 2019. Octobre 2019, fuck l'élection à payer. Cérémonie présentation officielle, M. Jean Lisséan comme premier ministre nommé pays d'Haïti, déroulé en présence de diverses personnalités, membres différents secteurs qui étaient participé dans une série de consultations sous choix premier ministre, et puis Zami Akfani, M. Jean Lisséan. Qui
qui laisse qui Jean Henri Séan, Pacouli, Sal Etidier, qui activité la menin, Sabine Jean, bral la présenter nous personnalité. Jean Henri Séan fait dans quoi des bouquets commune Tabar, na date 27 septembre 1956. Jean Henri Séan marié avec Chantal Volsi, il a gagné 4 petites, 2 filles, 2 garçons. Après études primaires et secondaires, Jean Henri Séan fait plusieurs études, tant coup comptabilité, statistique, informatique, espagnol, pour venir bout dans la faculté droit et sciences économiques, Université d'État d'Haïti dans Port-au-Prince, côté il prend une licence en droit. Il fait spécialisation dans droit notarial pays l'Espagne dans l'Université Pontificale de Comillas. Il recevoir l'autre formation sous plan international dans domaine fiscalité, documents électroniques, titrement pour ne citer ça seulement. Jean Henri Séan commençait à pratiquer comme avocat droit civil en 1985. Pendant 10 ans, il partageait connaissances à plusieurs promotions étudiants sous question droit de la propriété dans l'Université Quisqueya à Port-au-Prince. Il était enseigné tout dans l'autre institution, tant que l'École nationale d'administration financière ENAF et l'Université GOC. En 1992, il est nommé secrétaire général de l'Association syndicale professionnelle Métè Port-au-Prince à SNOP, côté lycée un membre fondateur. En 1995, Jean Henri Séan nommé représentant notariat haïtien dans l'Union internationale notariale latin. Un temps après, il vient vice-président commission Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, Union internationale notariat latin. Jean Henri Séan, c'est membre fondateur et puis professeur dans l'Amicale des juristes. Membre fondateur et puis conseiller dans la Fondation haïtienne pour un support à la formation universitaire. Concepteur et puis membre fondateur groupe à l'écoute du savoir et de l'expérience, salle conférence Franck-Étienne. Membre fondateur et puis conseiller, association professionnelle du droit. Fondateur principal, institut droit pour tout le monde. Sous plan politique, Jean-Henri Séan a un bon rapport avec plusieurs anciens présidents pays d'Haïti. Il fixait position publiquement en pile fois sous divers dossiers sociaux, politiques et économiques PIA. Il est fondateur parti politique Remet Haïti qui gagne slogan Tout le monde la donne. Pendant 2 fois, diverses coordinations avec membres du groupement politique Remet Haïti choisi notaire Jean-Henri Séan et puis encouragé le présenter comme candidat pour poste président pays d'Haïti. Dans la date 5 août 2018, le président républicain Jovenel Moïse annonçait li choisi fait notaire Jean-Henri Séan vin prochain premier ministre pays d'Haïti. Une décision qui sortit après consultation avec divers secteurs dans le pays et li officialisé après 2 séances consultation avec 2 présidents de branche parlement, sénateur Joseph Lambert et député Gary Baudot. Lundi 6 août 2018 là, journal officiel l'État Le Moniteur publié arrêté présidentiel qui nomme net Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. La porte-parole de la présidence, là, Lucien Jura, pote précision sur décision président République là qui nomme mettre Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre PIA. D'après Lucien Jura, c'est un choix qui fait avec consentement toute secte et puis chef l'État croit qu'il y a capacité pour aider le matérialiser vision. Un extrait d'un micro Lionel Edouard dans l'émission Haïti 360. Jean-Henri Séan, premier ministre, li pa la pou le faire en catégorie plaisir. Li la pou le prendre en compte les intérêts de la collectivité et pour le charrier yo de manière à ce que gon climat de détente politique qui est installé dans pays. Si 7 8 juillet mettez à nu gros problème grand goût, la richesse, la misère qui gagne. Mais problème grand goût, la vie chère, la misère, si c'est vrai que c'est des problèmes réels qui devant nous méritent aborder, mais question instabilité politique là, c'est peut-être une plus gros menace qui vient pour le pays à jouer le milieu. Et c'est gros défi ça qui devant le Premier ministre Jean-Henri Séan avec gouvernement, non? Le président de la République, Jovenel Moïse, parce que si c'est vrai que, selon un pile commentaire, vous entendez, président de la République en rivé à partir de toute consultation, joindre l'homme idéal en termes de transversalité,
en termes d'intersection entre tous les secteurs, mais bon, l'autre défi qui devant aujourd'hui, je veux dire, c'est la formation du gouvernement. Pas oublier, président de la République, là, dans la soirée du 14 juillet, après la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, il dit que la projeté mettait en place un gouvernement inclusif. Un gouvernement inclusif, qui ça veut dire, c'est un gouvernement qui a ouvri à tout secteur, qui ont même animé d'intention de mettre la main à la pâte pour changer la réalité qu'il a. Mais Maître Jean Risséan, c'est venu tôt, en dernier carré de discussion. Parce que il était certain que ils comprennent qui ça l'a rentré là et qui ça a tenu comme défi. Et c'est un homme avisé, conscient des enjeux, des défis que Jean Risséan a accepté mission. D'accord, il y a des expériences qui faites auparavant, côté effectivement que gouvernement de cohabitation, de salut public, ouverture, inclusif, il n'y a pas toujours marché. Mais et c'est responsabilité, justement, chef l'État, avec Premier ministre, pour que il choisisse les acteurs qu'il faut. Et ceci sans arrière-pensée ou sans préjugés de qui côté au cas sorti, pourvu que vous gagnez compétence, intégrité, volonté, savoir-faire là, et volonté pour vous mettre la main à la pâte. Président Jovenel Moïse dit souvent, et je dis à un peu plus qu'hier, un peu moins que demain, pas aucun sacrifice qui est trop grand, je dis à, pour le faire, pour le quitter pays, ça devient jeune homme, en bien meilleure santé sociale, économique et politique. Délégué départemental SIDLA, Max Serge Daniel, dressé un bilan positif sous travail Caravane Changement, fait dans le département ça, à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Il a annoncé, travailleur après à poursuivre dans le cadre Caravane Changement. Reportage, Anne-Marguerite Auguste, avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Infrastructure routière, curage rivière à Cravine, c'est quelques parmi les problèmes Caravane Changement adressés dans le département Sud-là. Délégué départemental Sud-là, Max Serge Daniel, dressé un bilan positif sur la réalisation Caravane-là. Travail saillot qui fait là permet à habitants plusieurs zones mener activité au sans qu'elle saute le la pluie tombée côté de l'eau qui qu'on envahi, d'après délégué. Et dans le département, il y a gagné un nouveau capoté dans l'huile, ce demande toujours de l'huile. Et le on monte sorti sur quatre chemins qu'on y a, ou pas besoin de faire on la pama pour que ou entrer dans rue du peuple, ou passer tout droit devant sans rancune, et à partir de là ou capable de rentrer dans centre ville à partir de rue du peuple. Tout ça c'est un ensemble d'activités que nous fait autour de la quatre caravanes. Le nous descend sur route méridien et jusqu'à Duboy. Maintenant route ça et j'ai été pour maintenant, c'est une route qui a avancé à grands pas. Et nous voyons que autant de fois que nous avons préparé et il a préparé la route, et c'est autant de fois qu'il a mis les asphaltes sur les. Ça veut dire, nous-mêmes dans le département, on a dit population, on a dit pas de chance pour déplacer, nous-mêmes nous pas compté. Même si il y a une crise dans le pays, mais on a pas avancé quand même. Si nous allons Maniche, Maniche qui, dans le temps, c'est une route côté que deux camionnettes par car rencontrer, il faut une campagne depuis en haut pour. Pour le bail de passé. Je pense que nous faisons visite dans le TNH, nous permettons que la population voit qui événement qui a fait sur route. C'est une route qui ouvre à 10 mètres de large. Maintenant, qui permet, qui nous met 10 questions route et qui a même plus large que la route nationale. Ça veut dire, Mani Jodien a bien une route qui répond à tout ça que une route lui demande. Comme le président a dit, la poule toute commune interne avec route nationale. Caravane Changement, équipe en place la possibilité pour découvrir un plus gros problème paysan dans le domaine agriculture.
avec passage cyclone Mathieu qui devine aggraver situation agriculture plus toujours d'après Max Serge Daniel. Dans ce sens-là, paysan yo bénéficie semences pour refaire jardin yo ak bayo bête pour renforcer élevage yo. Dans les récoltes qui se passent, là, nous avons fait distribution pour aider les semences pour aider les paysans yo remembrer. Et actuellement, là, un processus de distribution de bétail et cap fait. Et pour qu'on y ait à m'assurer que toute commune dans le département joigne déjà des boucs. Et nous, au fur et à mesure, chef de Bralvini, parce que nous avons bien beaucoup à distribuer, nous avons chef à distribuer, nous avons poussins que nous avons distribué, nous avons gagné et monde que nous avons encouragé dans l'élevage et dans l'élevage miel. Mais dans tout ça, c'est de l'activité qui a fait là sur le plan agricole. À côté de ça, gagné de système d'irrigation, ok, de système d'irrigation, non seulement que nous avons curé, mais nous avons augmenté caillou pour permettre qu'il y ait plus de terre qui arrosé dans le département. Max Serge Daniel annoncé qu'il y a un travail curage pose gabion pour protéger rivière à Cravigno cap continuer pour permettre travail qui fait durer longtemps. Ça cap aider moun yo renforcer activité économique yo, ça cap participer dans effort cap fait pour améliorer condition la vie population haïtienne nan. N'a pris en direction Palma Haïtien, Commission économie et finance, Sénat République la Chita Palais, ma 17 d'août là, avec Fédération nationale magistrat haïtien FENAM, Fédération nationale Kazakh haïtien FENAKA, et puis Fédération nationale AZEC FENAZEC, analyse budget rectificatif 2017-2018 là, tenant mi-temps discussion, président Commission économie et finance là, Jean-Ric Gobelizer, dit FENAKA, FENAM, FENAZEC, FEYO, yon ensemble recommandations que vous allez analyser dans le cadre de votre budget. Yon extrait dans le micro FEDNER Confident avec Moïse Oulbouch. Depuis bien longtemps, eh bien, la collectivité a toujours eu des problèmes qui posaient en ce qui a trait à positionnement que l'État central a eu dans le budget. Ça. Eh bien, nous avons discuté avec eux pour nous souligner ensemble d'appréhensions que vous gagnez, ensemble des préoccupations, et justement aussi pour nous te permettre que vous-même, en tant que collectivité territoriale, en tant qu'acteur, en tant que secteur qui est important dans le pays, eh bien, te livrer des lumières sous sa relais budget national. Il y a beaucoup plus de lumières. Donc, avec ça, vous présentez une préoccupation. Yo noté yo, et nous-mêmes nous gagnons pour nous chita avec les ministres concernés pour que nous analyser préoccupations yo, pour nous voir comment nous capables de porter des solutions à un ensemble de problèmes proposés. Entre autres, une grande préoccupation qui c'est permettre que fonds d'éjection des collectivités territoriales et bien ta cap, au lieu que ce ministre de planification qui t'a géré fonds ça. Puisque nous quasiment arrivons au niveau d'entente avec eux, nous allons voir comment, en dans le budget rectificatif là même, est-ce que nous avons mis les fonds de 2017-2018 là sous contrôle du ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, qui eux-mêmes ont dit qu'il c'est le ministère de tutelle. Yo. Représentant Fédération nationale magistraio, représentant Fédération nationale Kazakh Azekio, mandé commission économie et finance Sénat pour bailler collectivité territoriale yo moyen pour faire développement local. Je souhaitais commission financement retirer fonds communal ça sous compte ministère planification, mettez-le sous compte ministère intérieur, ça cap faciliter yo exécuter projet dans collectivité territoriale. Yo. C'est une occasion pour nous faire valoir et positionner sur question budget en particulier ce qui est en rapport, nous l'avons dit, avec fonds communaux. Nous songeons à ce qui est passé dans la question fonds communaux dans le pays, pour que FENAM est vent debout pour défendre les droits collectivités à travers fonds communaux qui revient aux collectivités de droit, mais qui était plus politisé que au service du développement. Je vous dis, ça fait quelques semaines, Nabdin, que dans le rapport aux collectivités et avec cette planification, une amélioration assez significative, surtout que ce fonds communaux 16-17, visible déjà, mais pour 17-18, il y a un blocage majeur, parce que je dis encore par une commune, par un secteur communal qui bénéficie. Le budget
les que yo pas inséré en quelle rubrique pour mettre en quel montant pour section communale, nous toujours abdié li li pas budget national. C'est que nous vinn parler avec sénateur et sénateur qui nous voté, sénateur section communale yo voté et nous yo très comprendre, yo comprendre vraiment très compréhensif, yo d'accord avec des propositions que nous fayo pour que dans bataille que peuple a mené pour que yo rentre dans budget national là pour faire développement dans section communale yo et yo d'accord yo elle-même j'avais. Mais nous pensons jusqu'à maintenant que bagaille qui possible avec et dans budget pour que et 1 million de gouttes qui était prévu pour section communale yo pour que comme ça débloquer pour que nous te garder avec sénateur à tout et question et un bureau pour conseil d'administration qui a tout loger assemblée section communale yo parce que jodi a l'on paraît dans section communale en pile fois ça yo présente comme bureau cassec c'est grave parce que me pense jodi a faut que nous refait image l'état jodi a nous pas capable continuer à loger de élus dans des bâtiments qui pas répondre parce que chaque fois on monte entrer dans section communale li on ensemble ici qui loger bureau cassec et dans la plupart des cas pas gain pour assec yo donc ça nous pense que faut que nous redorer blason et image l'état. Sénateur Noah Dieudonne Luma Etienne promet pour supporter association magistrat Kazek à Kazek yo dans démarche y a fait pour gagner un fonds qui débloqué pour faire développement dans communio ak section communale yo. Sénateur Dieudonne dit libéral fait plaidoyer ça dans commission financement pour rendre justice à quelques collectivités yo. Un extrait dans micro fait n'a confident avec Moïse Wilbridge. Il y a un point qui est important dans le budget rectificatif là. C'est question 1 million de gouttes là qui était disponible pour développement dans section communale là et dans section communale yo et que font ça et mais jusqu'à cette présente minute pas aucune section communale qui te joindre nous donc président et commission avec nous même dans commission nous prend engagement pour nous garder d'une part comment nous garder ranger nous pour que nous permettre yo et en dans budget rectificatif en bénéficier ça. Mais en même temps, il y a de l'autre préoccupation. Il y a des préoccupations par rapport à bureau qui pour loger Kazek, yo, Asek, yo, délégué ville, yo, et en deux sections communales, Kazek, Asek, yo. Et nous-mêmes, nous montrer volonté que nous gagnons pour que chaque section t'a pas gagné, ça aurait les, mini et complexe pour permettre que tout service que section communale a gagné doit aller. Et même habitants dans section communale yo yo bon côté pour yo vini et autorité locale yo capable servir avec toute dignité et nous parler tout de question de service de proximité à population. Nous allons parler éducation, directeur général ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle la Mignol Jeune indiqué ma 17 d'août là c'est en total 92 131 candidats qui étaient participés dans session ordinaire examen philoyo. Il y a 38 405 candidats qui réussissent, 38 319 ajournés et puis 15 407 qui échouaient. Dans ce sens-là, directeur général là, Mignol Jeune dit qu'il est satisfait sous façon examen l'état a été déroulé dans tout le pays. La petite explication dans le micro Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Pour taux de réussite, et pour année ça, et comme ça, nous avons une comparaison par rapport à l'année dernière. Et voilà. Et l'autre, 35,89%. 35,89%. Et ça fait sous 47 752 candidats qui étaient passés, et alors qui étaient participés. Disons mieux, dans l'épreuve là, eh bien, gagné 16 312 candidats qui passent. Et qui fait nous gagnons un pourcentage de 35,89%. L'année dernière, pourcentage ça était 24,98%. Nord, 48,02%, il est en hausse par rapport à l'année dernière, qui était 43,61%. Nord-Ouest, 39,67%, il est en hausse par rapport à l'année dernière, côté de l'été à 29,76%. Nord-Est, 51,84%, il est en hausse par rapport à l'année dernière, qui était 29,81%.
alors qui était, disons mieux, 34.83%. Artibonite, 37.47%. Il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 28.83%. Centre, 54.42%. Il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 39.37%. Sud, 60.01%. Il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 60.01%. Il y a hausse par rapport à l'année dernière. Et par rapport à l'année dernière, il était 69.23%. Sud-Est, 57.88%. Il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 33.73%. Pour point sud-est, sud-est, 57.88%, il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 33.73%. NIP, 49.69%, il y a hausse par rapport à l'année dernière, il était 41.1%. Enfin, Grandens, 42.37%, en hausse par rapport à l'année dernière, qui était 23.92%. Donc, ça vient faire pour Anessa, taux admis sur le plan national, nous avons un nombre de 38.405 candidats qui passaient. 38.405 candidats qui passaient dans l'examen. Pour la journée, nous avons 38.319. Pour quantité qui est éliminée, nous avons 15.407. Pour quantité qui est absente, nous avons 12.364. Total participant, c'est 92.121%. Et pourcentage nous gagnons au niveau national, c'est 41.69%. Nous satisfaire par rapport à la façon d'organiser l'examen. Parce que nous te prenons sans nous et nous te passons instruction à toute direction départementale, particulièrement avec les directeurs départementaux, pour que les gens qui participent, c'est des gens qui qualifié, c'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui connaissent sa éducation, c'est des gens qui veulent la société à changer. Donc, et consigne ça a été respecté pour la grande majorité, ce qui n'a pas gagné quelques cas. Pour les correcteurs eux-mêmes, nous te disons que c'est des correcteurs qui travaillent dans la classe terminale. Nous n'avons pas accepté pour aucun monde qui n'a pas gagné justificatif que les gens travaillent au niveau terminal. Donc, tout effort ça fait de façon pour que Timoun n'est pas victime de corruption, de mauvaise corruption. Donc, ça veut dire dans tout processus là, et instruction est passée par le ministre, par moi-même, avec toute direction départementale, pour que c'est des monde qui sensible pour l'éducation, c'est des monde qui voulait que nous avons l'autre société, c'est des monde qui voulait que l'examen au pied fait, Timoun nous fait note que vous méritez faire. Yon lot bo, directeur général ministère éducation nationale ak formation professionnelle là à Mignol jeune annoncé session extraordinaire yo a démarré 13 d'août pour bout 17 d'août k ap vini là. Directeur général là expliqué toute disposition déjà prend pour faciliter examen yo réalisé à travers tout pays. Plus explication dans micro Lunel Jean-Louis ak Monsieur Joseph. Nous voulons profiter occasion pour nous annoncer à toute condition extraordinaire là, la commencer du 13 au 17 août. Nous gagnons un jour qui a Cap-Garret dans un jour, c'est jeudi qui a 15, alors c'est date 15 août là. Alors nous avons dit, session extraordinaire là, qui a commencé semaine d'après là, du 13 au 17 août, avec un arrêt le 15 août, parce que nous connaissons 15 août là, c'est un jour de congé, c'est fête Notre-Dame, et pas capable de gagner un examen avec ça. Nous profitons pour nous dire à tous les candidats que le conseil nous a gagné dans la première session, le premier examen qui est fait en juin, c'est au même cap qu'il. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas porter le téléphone. On dit ni surveillant, ni superviseur. Il n'est pas capable de téléphone. Et les mêmes, ce qui mal, pas de possibilité pour porter téléphone. Le téléphone est formellement interdit. Nous disons, seul responsable du centre qui est capable
des téléphones, nous avons des responsables de siège, mais il n'y a qu'à utiliser si les nous gagnons réellement besoin. C'est pour nous dire que nous passons instruction à toute direction départementale pour nous prendre mesure pour que le conseil respecte à la lettre. Nous déjà prenons toute disposition pour que sans problème nous redémarrer du 13 au 17. Président commission éducation dans chambre député à Ketel Jean-Philippe exprimer satisfaction li sur résultat baccalauréat année 2017-2018 là. Parlementaire a souhaité et ministère a prend toute disposition pour organisation session extraordinaire bien passée. Député Ketel Jean-Philippe mandé ministre éducation nationale démissionnaire à Génor Cadet respecter engagement yoté prend envers professeur. Un extrait dans micro Colo Eliezer avec Moïse Webrich. On souhaitait que toute disposition prend pour l'examen bien déroulé et pour tout élève participer calmement dans l'examen. Résultat à bail, nous avons plus ou moins année ça, même si le département de l'Ouest a un score qui n'est pas normalement haut, mais même si il y a un côté qui est 60%, ce n'est pas systématiquement qui est arrangé pour ça. Et comme le ministère a dit année ça, il y a un seul examen qui était au niveau de tout le pays, parce que généralement, c'est plusieurs tests qu'on baille. En ça, le ministère a été décidé par un seul. Donc, pendant l'examen, nous ne sommes pas loin de l'ouverture de l'école. Nous ne connaissons pas le gouvernement, mais il est important pour que le gouvernement qui applique des affaires courantes là, il prend des mesures pour préparer l'ouverture de l'école. Et il y a un ensemble de dispositions qui te prend. Par exemple, dans la FNEA, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il va construire 30 écoles nationales au niveau pays. L'information qui est c'est que l'école est pour commencer à construire et c'est pour l'exercice fiscal. Ça. Deuxièmement, question dotation ou bien subvention manuelle scolaire. Ça n'a pas jamais cheminé jusqu'à présent, appel de FLA pour financer pour les gens qui ont un appel de FLA. Ça signifie que le livre n'est pas disponible dans le mois novembre, mois décembre. Les ça apparemment va peut-être acheter vite déjà. Donc, le gouvernement qui a fait courant de la folie, aller vite. Il faut que nous connaissions qui a signé appel de FLA, qui maison édition qui va bailler livre, soit en dotation ou bien en subvention. Nous avons toujours dit nous pas d'accord à la question subvention manuelle scolaire. Nous avons une dotation que l'État achète livre, mais dans toute l'école publique yo, et même dans l'école privée. Si nous avons utilisé le livre là, année ça. Si les chiens les parents n'ont pas voulu acheter le remède direction l'école là, l'année prochaine, promotion qui va venir, je vais vous l'utiliser. Nous allons faire deuxième campagne, nous allons retourner après pour ça pour cette information. Journal là à poursuivre sous TNH. Nouveau porte-parole police nationale là, Michel-Ange Louis Jeune, installé mardi 7 août 2018 là dans fonction pendant une cérémonie qui était déroulée dans direction générale PNH là. Dans l'occasion, chef cabinet DGA, inspecteur général Miguelite Maximé, profiter, rappeler importance communication jouée dans le travail police là. Sous Bopal, nouveau porte-parole là, dit conscient, quantité de travail, Captain Lee, cependant, remercier directeur général PNH là pour confiance lui placée dans lui. En écouter plus d'explications dans le micro, Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. C'est avec plaisir ce matin que je me fais accompagner du nouveau porte-parole de la police nationale d'Haïti, non seulement pour procéder à son installation, mais également pour une petite présentation à la police. Comme vous le savez, la communication est la base de toute société démocratique. Ce n'est que quand les citoyens sont informés et qu'ils peuvent, sur leur rôle, au niveau du contrôle, au niveau de l'observation de certaines institutions. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, pour la confiance placée en ma personne, en me désignant comme porte-parole de la police nationale d'Haïti. Conscient de la responsabilité qui m'incombe, en effet, en tant que porte-parole de cette prestigieuse institution, je travaillerai en étroite collaboration avec la direction générale
et l'ensemble des membres du commandement pour renforcer l'image de la PNH dans ses différentes missions à lui confiées par la loi du 28 décembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti et plus précisément en son article 7. C'est à travers cette fonction que la police rencontre la population pour l'informer des activités et de l'ensemble des dispositions qui sont de nature à garantir la sécurité et la vie dans la cité. C'est aussi à travers ces services de communication que la police restera à l'écoute de la population pour transmettre aux autorités établies les préoccupations de cette dernière. Dans le souci de renforcer notre proximité avec la population pour qui et de renforcer nos relations avec nos partenaires de la presse en général. Dossier justice, assise criminelle avec assistance jury à poursuivre dans le palais justice Port-au-Prince. Pour déroulement troisième semaine audience criminelle, le tribunal l'a condamné Nazaire Léonel pour le passer à 7 années en prison pour infraction, homicide avec Mondestin Rigo. Tribunal criminel l'a condamné pour 8 années de prison avec travaux forcés pour assassinat. Lundi 6 août 2018, le tribunal a possédé avec libération Xavier Jean Vital à Fontaine Vélio. N'a pas rappelé, c'est environ une trentaine jury qui mobilisé dans le cadre déroulement assises criminelles avec assistance jury. Commune Port-Sali célébré 150 l'année existence paroisse Saint-Dominique. Dans l'occasion ça, yon messe solennelle célébrée dans la paroisse là en présence quelques autorités départementales à communales, plusieurs pèlerins avec monde qui sorti dans l'autre zone dans le pays. C'est cardinal Chibli Langlois qui était célébré messe. Reportage Fallan Delphin avec Michel Joseph. C'est dans l'année 1948, frère Dominique a fondé la paroisse Saint-Dominique dans l'arrondissement Port-Salut. Il y a un frère qui habituellement réunit les gens qui sont dans 4 sections communales Port-Salut, à paroisse dans le département sud, Grand-Anse et même dans Nip. Autorité politique qui a participé dans la messe solennelle, remercie les pèlerins qui ont fait déplacement pour venir participer dans fête ça qui est important en pile pour la commune. Autorité a souhaité pour l'activité économique qui reprend dans la commune Port-Salut, qui c'est une commune qui était touchée dans le passage ouragan Mathieu. C'est rencontre là, retrouvé là, côté majorité diaspora vient fêter 150e anniversaire et paroisse. Et c'est une belle fête, Je pense que nous avons deux mondes qui sont proches de nous, nous avons deux mondes qui ne sont pas tellement proches de nous, nous avons un pile pèlerin et une belle prêche pour le côté cardinal. Je pense que de toute façon, je me réjouis et fait ça à Nisa. Nous avons souhaité que l'activité économique pour ça à reprendre, l'hôtel à reprendre, la plage à aménager. Il y a plus de sécurité pour permettre plus de monde de participer à la fête là. Qui est retombé économique, retombé social pour ça? Nous même au niveau mairie, nous faisons tout ça capable avec les moyens que nous avons, avec la stratégie que nous avons, malgré l'État central propre dans nos dollars. Et nous déposons le projet nous, et dans le ministère intérieur, et la police aujourd'hui là, nous avons un chèque ministère intérieur. Et où est la ville pour ça, son ville, comment ville la clean? Et son ville touristique, mais il a fait tout ça capable pour nettoyer la ville. Un, au niveau de sécurité, mettre sécurité dans la ville, parce que la ville a bien plus de touristes qui sont venus. Et nous devons garantir que les gens qui sont venus, pour sécurité, au niveau de sécurité, pour sécurité garantie. Non seulement la mairie, nous avons une diaspora pour ça. Et les gens qui sont venus dans la communauté, ils ont fait effort par eux. Parce qu'il y a plus d'effort. C'est une principale attraction touristique PIA. Commission Justice et Sécurité Sénat, Chita Palais, m'a dit 7 août là, avocat à Moundéjéi, écrasé Caillou, dans Pèlerin 5. Parlementaire promet pour présenter un rapport devant l'Assemblée Sénataire qui a bien pour décider. Un extrait dans le micro confident Fidner avec Moïse Wilbridge. Nous sommes les trois sénateurs de l'Ouest, moi-même, sénateur Chirami, sénateur Patrice Dumont, qui t'a recevoir avocat, et là, tu as grand échange qui fait, échange sur qualité de propriétaire que vous gagnez,
échange sous invitation que DGIT dit, li te lancé avec vous. Et vous te répondre à l'invitation, nous avons accusé de réception, preuve à l'appui de sa discussion que vous avez gagné avec DGI. Nous-mêmes, en tant que président de la commission justice, nous prenons note pour nous porter devant la commission. C'était le président de la commission justice qui lui-même et techniquement a bien avancé avec le dossier. Et moi-même avec collègue Dumont, nous assurons que nous présents. Même Jean et Tadjou était de là tout, parce que je connais les bon travail à faire dans ce sens ça tout, mais il dit pas, mais c'est entrer en contact avec elle que je ne suis pas arrivé à joindre, même parce que les mêmes les concernés, même Jean avec nous tout, et la travail tout. Après réunion de travail ça que nous avons fait là, avec avocat famille Norseus, nous avons informé l'assemblée, donc tous les collègues nous, bureau, sénat, de réunion, et nous avons fait sortir en note officielle de ça nous fait comme travail de réunion. Directeur départemental travaux publics, transport et communication, ingénieur Franck Saint-Ilien, exprimé contentement li par rapport à gros avancée qui déjà faite sur route Tenève Gonaïve là. Un extrait dans micro Richardson Jordan à Capems Jean-Baptiste. Route Tenève là, en attendant, nous fait un pile au profilage sans apport des matériaux. Qui côté nous font pile le profilage tout pour nous faire apport de mettre apport des matériaux après si on a commencé à préparer au moins si on a commencé à préparer 3 km pour nous dire nous prêts et nous faire implantation pour nous faire fossé maçonner. Actuellement là nous guettons sur PK 18, nous travaillons sur PK 18, nous faisons élargissement. Donc là nous dit PK 18, il y a un côté qui est difficile pour nous sauter pour nous pas camper, nous avancer dans le PK devant. Parce que des fois, il y a des côtés, c'est carrière nous jouons. Matériel n'a pas qu'à prendre, obligé de sauter pour ne pas perdre du temps, ou aller devant, après avoir tourné. Front National pour Progrès, dans le pays d'Haïti, salier décision président Jovenel Moïse à président de branche parlement pour nomination Jean-Henri Séan comme premier ministre PIA. Coordonnateur national La Front, lui, Austin, mandé sénateur avec député Yo, ratifié choix premier ministre Noméa. Coordonnateur national La Front pour Progrès, lui, Austin, t'es dans le micro Stéphanie Charles avec Wilbridge Moïse. Front avec allié Lio, salier et féliciter décision président Jovenel Moïse à deux branches parlement prend pour nommer PM Jean-Henri Séan comme premier ministre pays. Fouan mandé pour sénateur et député ratifié premier ministre nommé Jean-Henri Séan pressé pressé pour doter pays un nouveau gouvernement pour soulager peuple haïtien en bas insécurité, chômage, misère à grand goût. Ligue nationale force démocratique félicité président République là d'esque je choisi noté Jean-Henri Séan comme premier ministre. Ligue là expliqué noté a capacité pour rassembler toute secteur d'envie nationale là, inviter tout citoyen pour poter collaboration paillot pour mettre campé en gouvernement tête ensemble. Un extrait. Ligue là félicité président Jovenel Moïse après deux journées consultation à président Deschamps, je nomme notre Jean-Henri Séan, premier ministre pays d'Haïti, Jean Constitution 87 à Mandéa, dit là. Nous avons félicité notre Jean-Henri Séan pour choix de accepter dans main président Jovenel Moïse. Nous avons battu un gros bravo pour ça. Choix ça venu dans le moment. Haïti besoin de choix ça. Le gain capacité pour rassembler tout secteur dans la vie nationale là, pour former un gouvernement tête ensemble. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, arrêtez branché, n'abtenez. L'autre information, Darwendi Augustin, un jeune garçon qui gagne 17 l'année, qui était Kali lundi 6 août là. Bon, 10 heures matin, maman li Maldi Augustin mandé n'importe moun qui t'a wel ou bien rencontré li pour t'a relé dans numéro sa yo 46 90 82 00
31 12 99 91 48 50 10 49. Mais puis gros point nous t'es développé pour nous dans le journal là. Président République là, Jovenel Moïse a présenté by Nation 1, Premier ministre nommé à Maître Jean-Henri Séan, ma 17 août là, dans le cadre d'une cérémonie officielle dans le Palais National. Nouveau porte-parole police nationale là, Michel-Ange Louis-Jeune, installé ma 17 août 2018 là, dans fonction pendant une cérémonie qui t'est déroulée dans direction générale PNH là. Commission économie et finance Sénat République, la Chita Palais haïtien et puis Fédération nationale AZEC sous analyse budget rectificatif 2017-2018. Là. Délégué départemental Sidla Max Serge Daniel, dressé un bilan positif sous travail caravane changement fait dans le département ça et annoncé travail après poursuivre non intérêt population. Session extraordinaire baccalauréat yo a déroulé sauti 13 pour bout 17 d'août Cap Vinila, directeur général MEF expliqué toute disposition déjà prend pour faciliter examen yo réalisé à travers tout pays. Actualité à Pilon la caille, administration Tromplan a paré pour établir sanctions économiques sous pays Iran, une situation qui risquait compliquer la vie pays Iran. Qui était déjà à fait face à un pile difficulté économique. C'est là n'a mis fin dans le journal là. Toute équipe là était content pour tel pour. N'a souhaité tout le monde passer une bonne nuit sous TNH.